Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Good morning everyone. Sorry. Good morning Bonjour. everyone. We hope you are doing very well. Happy New Year. We are very happy to be Oui. with you all today. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes très contents de vous avoir à notre réunion annuelle CS4Me des membres. Alors déjà, nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux membres, tous ceux qui nous ont rejoints en 2023 et même en 2024. Bienvenue dans notre grande famille CS4Me. So, bienvenue dans notre grande famille CS4Me. Nous sommes contents de vous avoir. So, welcome everyone. Happy New Year. Welcome to our CS4Me family. We wanted to also wish a great warm welcome to all the new members that have joined us. And we look forward to have a productive year in 2004. So, nous espérons que vous allez avoir une année productive en 2024. Alors, pour commencer, on aimerait vous demander à chacun d'entre vous, s'il vous plaît, de vous présenter sur le chat. Dites-nous votre pays, le nom de votre organisation, quel rôle vous jouez dans la lutte contre le paludisme, ou alors quels sont vos intérêts en matière de lutte contre le paludisme. Et aussi, dites-nous qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les priorités de la lutte contre le paludisme dans vos pays. So, please, we would like to know your organization, the name of your CSOs. Tell us what you do in malaria, what is your focus area, but tell us also what are some of the key priorities you see that we should be doing this year, or key priorities in malaria this year in your country or in your region. So we look forward to hear from you and welcome everyone. And we're going to kick off the meeting with the opening remarks from Dr. Shampa from India, which is one of our founding members and our steering committee member. Donc, je passe la parole à Dr. Shampa de l'Inde, qui fait partie du steering committee de CS4Me. Dr. Shampa, over to you. Thank you. Good morning, everyone. Am I audible? Hello, good morning. Bonjour, bonjour. Oui, good Okay. morning, Dr. Champa. We can hear you very well. Okay, thank you. So, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, all the CS4ME members. On behalf of the CS4ME Steering Committee, I would like to welcome you all. And also, very happy New Year to you. This is the first meeting we are kicking off in 2024. So, let's talk malaria first. Well, there is good news, as you have seen that the World Malaria Report 2023 is out, and we have seen that well, some of the countries are progressing towards malaria elimination. Cabo Verde has been congratulated for being malaria-free, and they have been certified by WHO. The malaria vaccine has been rolled out, the RTSS, in Cameroon and some of the other countries. In Africa, the R21 vaccine, another vaccine, has been pre-qualified by WHO, and all the national programs in collaboration with the civil society organizations, partners, donors are strengthening, continuing to strengthen the case management, surveillance, and M&E, the vector control, etc. So these are the good news. But at the same time, we are also seeing bad news in the sense that the World Malaria Report, and you have also seen, says, and you have also seen that malaria is actually, it is slightly increased. And in fact, some countries, especially in Africa and in Asia, Pakistan, they have seen increases in malaria cases. So that is not good. So therefore, we have seen the lots of heterogeneity across the global levels within countries. And this is really a very big concern and a threat. We have also seen the threat of
climate change and malaria. So I'm sure it will be discussed in today's meeting. But then the CS4ME throughout 2023, as they have been doing since its foundation year, that they have been continuing to empower and strengthen the civil society organizations and communities through tremendous amounts of efforts by way of webinars, capacity building, then bringing in the partners, donors, then connecting with all the civil society organizations and the community networks. So they have been doing a fantastic job. And in the steering committee met in December, and they have also come up with some of the recommendations. And I think it will be discussed in today's meeting that how such recommendations should be translated into actions so that the civil society complementarity to this malaria elimination and the malaria burden reduction really, really works well. So I wish well and I wish success for this meeting. I want each of you to kindly participate actively and mention that how we can, as a movement, as a civil society movement, we can go forward so that we really, really, go towards ending malaria. So thank you very much. And once more, welcome all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Champard. Thank you for the kind words. And yes, thank you for the reminder of the World Malaria Report that came out in December 2023. Please, CS4ME member, if you don't have the report, please Google World Malaria Report 2023, because that report has the latest information and data about the malaria situation, and it's not good. So it's very important for all of us to be aware of the finding in the report. Next slide. So we also share in the different CS4ME group some of the key facts about that report. So you can go back to those groups. But like Dr. Champard said, the situation requires attention from CSOs. Net usages are stalling. Net malaria incidence increases. Even the deaths are reducing a little bit, but we are not meeting the target for 2030. So thank you, Dr. Champa, for pointing this out. So please, for all of those who just joined us, we invite you to introduce yourself in the chat. We welcome you, and we hope that we will have all of us a very productive year. So I'm going to talk quickly about what we've done in 2023. I'm going to talk quickly about it because we will send this to you by email. I mean, we will send the presentation to you so you have time to read of everything that we have done. And we will also publish our CS4ME annual report, and you'll read all the detail here. Because today we want to focus on hearing from you more and talking less. So basically, this year we were happy thanks to the contribution of many of you, CS4ME members, to learn first community-led monitoring guide for malaria programs. And this was an initiative of civil society. So all of us, CS4ME, and it was a first guide that is used to guide civil society on how to do community-led monitoring and to influence decision-making. So CLM is an initiative that aims to improve the contribution of CSOs to decision-making processes and to ensure quality monitoring of malaria control intervention in vulnerable community. So we are very glad to have launched this guide in French, in English, and the guide is available in our website. So the guide is available, and so we look forward to continue to work with all of you so you can continue to promote the guide, to share that guide, and most importantly, to make sure the guide is used in your country for your different projects. So you can even do a project proposal on community-led monitoring
using that guy. So, next slide, please. So we have also done a training last year on resource mobility for CSOs. So many CSOs have asked us about fundraising. So you've told us that it's difficult. So we've heard your request, and we have hired expert consultant in this field, and we have trained CSOs on resource mobilization. So it was a two-day training and an online workshop. So all the materials are available on the CS4Me website. Or you can also write to the secretariat, and we will guide you where you find all the material on how to mobilize resources for your organization. Yes, so everything is available in French and English. Excellent. Okay, so next thing, the big activity we've done is the World Malaria Day CS4Me Annual Forum. As you know, each year we bring together the world's experts, including yourself, in a forum where we talk about malaria and the key issues for communities and civil society. So last year we have over 300 participants from 46 countries, including NMCPs, CCM, media, parliamentarians, and technical partners. And it was an opportunity for civil society to be informed in the latest innovation in the fight against malaria, with presentation on the gene drive, the monoclonal antibody for malaria, IPTN plus for newborns, presentation of the newest mosquito net that is highly effective and highly resistant. And we also have a lot of great intervention from civil society sharing best practices in their country about the fight against malaria and also the role of community health workers. So you have also all those presentations on the CS4Me website, so you can have access to that, because training to be up to date in the latest updates. So we've done those things to have done this is to amplify communication and advocacy from civil society. Thanks to all the CSOs who have done videos with the key message from many countries. We will be launching another call for videos soon, this month of February or March, for the next World Malaria Day. So we also look forward to work with you so you can share your message and your video to global leaders. And we have also published a declaration of CS4Me for World Malaria Day. Please do not forget about that declaration, our CS4Me statement for World Malaria Day. We should still go back to that on the website and use it as an advocacy tool to raise the voice of CSOs. And thanks to all of you who engage in social media. We have a lot of coverage in social media. Next slide. So many of you participated in all the CS4Me social media campaign and activity. Thanks to you, you really raised the role that civil society and that yourself are playing in the fight against malaria. So soon we will be starting again the preparation for that campaign. And I want to thank particularly the communication and advocacy working group of CS4Me. It's the group that has worked with the secretariat to come up with all those ideas and those material. So soon, like I said, in February, this work will start again, and we will be able to work with all of you. So another key activities that we have done, and we are doing this every quarter, is the Malaria CS4Me Coffee Talk. So I hope all of you are joining our Coffee Talk. It's only once a semester, and it's an area where civil society share their best practice, their lessons, their experiences with each other. And so last year we had four
of the coffee talk. So big thanks to all the CSO who made this possible by joining and sharing their experience from many countries, including Madagascar, Benin, DRC, Congo. Many countries participated in that coffee talk and shared their challenges. We focused last year on the Global Fund, malaria application, really pushing for civil society to be involved in the process. So you have on the website, you have the recordings, you have the webinar, you can go back and listen to those if you like, but there's a lot of good practice that CSOs share from different countries. So thanks to all of you for sharing that. We have also developed last year a series of new tools for you that are free of charge. It's accessible from the CS4Me website. You can download all those tools. I'm not going to go through all of them, but we have developed a tools, for example, about costing. How do you cost community-based activities? It's true that it was in the context of the Global Fund, but you can use it for any project. If you apply for expertise initiative 5% or any other project in your country, you can follow the methodology on how to cost community activities, especially in malaria. So we've developed many, many tools, like also how to prioritize malaria intervention and what civil society should know to contribute in Global Fund concept note, et cetera. So adding to that, we have tools that we have developed in 2022 and 2021. So I would encourage you to go to the website, really use the website, because it's an area where you have a lot of tools free of charge in French and English that you can download and you can use to improve and to strengthen your program and your expertise in malaria. So on top of tools, we also have done a lot of webinars and trainings, and they're all available on the CS4Me website. So okay, someone will put the link in the chat of our website so you can go and look for the webinars, for the tools, and please download them and use them because you will find out that they can be very useful. So I won't go through all of this. They're all on the website and we look forward to have more use. Thanks to all of you for participating in that. So one of my favorite activities this year is that we've launched the working groups, the capacity building working group. And this was an idea of one of our steering committee member, Tumaniel from Tanzania. So shout out to Tumaniel for having this idea of putting together a working group of CSOs who can be expert and who can also advise on capacity building for members, but also the technical working group. The technical working group is a group of volunteer members. So any of you can volunteer to be a part of this group. And this group is consulted when a partner needs an advice from CSOs. For example, the group was very involved in the malaria vaccine consultation with PATH, in consultation with WHO on malaria prevention and other type of global or regional consultation. Next slide. So thanks, very big thanks to all of the CS4Me members who are active in those groups. We have a group of CCM working group, but we are actually launching a call now. If you are a member of CCM from any country in sub-Saharan Africa and you are not part of this group, please contact us because we need you to join this group. And if you are also in your country, please send us the contact of your representative in the CCM, which is the country coordinating mechanism of the Global Fund. So whoever represents malaria in the Global Fund country coordinating mechanism, if you're in your country, please send us their name and WhatsApp and email, and we'll make sure that they join this group. It's very important so that they can engage with other CCM from other countries and strengthen the voices of the communities at that level.
Okay, thank you very much. And I will hand over to our CS for me technical working group chair, Miss Nafisa Henriette Tame. So thank you, Nafisa, for joining us. The floor is up to you. Feel free to speak in French as Allô? Allô? Oui, Nafisa Valvi, on t'écoute. Ok, bonjour à tout le monde et merci Olivia, merci de me passer la parole. Bonjour à tout le monde, je suis Yugantame Henriette Nafisa, directrice générale de l'Organisation de la Femme pour l'Islam sans frontières, OFIF, membre de CS4Me et membre suppléante à l'instance de coordination nationale. Et je suis aussi chaire pour le groupe technique que Olivia nous a déjà brillamment présenté et je remercie les membres CS4Me, le secrétariat CS4Me de nous avoir donné à nous les chaires et les co-chaires cette opportunité de pouvoir travailler dans l'atteinte de nos objectifs et aussi de mettre la pierre dans cette atteinte et aussi de pouvoir nous former, nous apprendre parce que je suis aussi un peu produit de CS4Me. J'ai suivi presque, je peux dire, à 60% toutes ces formations que la Cordo, Olivia, nous a si bien fait le rapport. Et je peux dire que j'ai été aussi, ma renforcement de capacité a été vraiment très important pour moi et mon organisation. En fait, depuis que nous sommes, je suis présidente du groupe technique, nous avons eu à faire beaucoup de brainstorming dans notre groupe pour voir comment déjà mettre un plan d'élaboration et voir comment élaborer un plan d'activité qui va permettre de mieux travailler avec le plan qui est déjà le plan stratégique de CS4Me pour qu'on puisse mieux coordonner nos actions pour mieux être efficace dans ce qui nous est demandé. Donc, nous avons déjà un plan d'activité, une bouche de plan d'activité qui continue d'être enrichi. Et je profite pour demander à tous les membres de continuer à donner leur apport pour qu'on puisse vraiment avoir un plan d'activité qui va nous permettre de concorder avec les activités du plan stratégique. Maintenant, pour des perspectives, nous comptons cette réunion déjà, nous comptons aussi beaucoup, nous avons beaucoup d'attentes de cette réunion parce que nous allons utiliser certaines informations qui vont être présentées ici pour pouvoir enrichir notre plan d'activité et pouvoir mettre une perspective dans les actions à mener. Donc, nous attendons beaucoup de cette réunion et nous avons quand même ressorti deux actions qui pourront être mise en œuvre pour l'année à venir, au cours de l'année. Donc, notamment, c'est des actions. La première action, c'est d'effectuer des travaux de conseil sur le paludisme, sûrement à la demande des autres parties prenantes et donateurs qui sont peut-être présents, tels que Rollback Malaria, OMS, le Fonds mondial, UNICEF et d'autres, beaucoup d'autres pour pouvoir vraiment, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons eu à être renforcés dans nos capacités et il faudrait que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons acquis et précisément sur les consultations, sur le vaccin, paludisme, l'impact du changement climatique sur la lutte contre le paludisme parce que nous avons un membre, je crois j'ai oublié le pays, qui a tiré notre attention sur l'impact du changement climatique sur la lutte contre le paludisme parce que avec tout ce qui se passe, nous avons nous avons certaines stratégies de lutte contre le paludisme qui ne sont pas toujours appliquées jusqu'à présent, notamment la lutte
la pulvérisation intradomiciliaire, je crois, qui est importante, qui doit revenir dans la stratégie à appliquer, parce qu'avec tout ce qui se passe et des problèmes d'assainissement et beaucoup d'autres choses. Donc, il nous a rappelé que c'était très important de pouvoir être formé, renforcé dans la compréhension du changement climatique et son impact dans la lutte contre le paludisme. Bon, et la deuxième action, c'est l'élaboration d'un guide pour la mise en place d'une coalition nationale paludisme qui va permettre de mieux coordonner nos activités, mieux coordonner, quand je dis nous, ça veut dire les organisations de la société civile, de mieux coordonner nos activités pour atteindre un résultat efficace et efficient et même pérenne de nos actions. Et c'est pourquoi ce guide pour l'élaboration d'une coalition, cette coalition sera vraiment très importante pour les organisations de la société civile et je dirais même pour la lutte contre le paludisme. Parce que quand les organisations de la société civile sont mieux coordonnées dans leurs activités sur le terrain, l'impact et le résultat est mieux efficient. Donc, je peux dire que voilà un peu, et la Cordo, Olivier avait déjà bien présenté les groupes, notamment le groupe technique. Je crois que je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Et je passe toujours pour remercier cette opportunité qui nous est offerte. Merci. Merci, merci beaucoup Nafissa. Merci, bien entendu. Nous allons continuer toutes les séances que nous avons commencées en termes de renforcement des capacités. Et oui, la question du changement climatique, elle est devenue, elle est incontournable. Beaucoup de membres nous en ont déjà fait donner, nous ont déjà donné ce feedback. Et nous espérons vraiment qu'avec ce guide sur les coalitions paludisme, ça pourra inspirer les organisations de la société civile dans les pays où il n'y a pas encore de coalition à pouvoir se réunir pour qu'elles puissent, bien entendu, avoir plus, être plus efficientes, comme tu l'as si bien dit. Donc, merci beaucoup, Nafissa. Nous allons passer la parole maintenant à notre collègue, Monsieur Amadou Soumalia, qui est le chair du groupe de renforcement, du groupe de travail pour dédié au renforcement des capacités. Amadou, you have the floor. Merci beaucoup encore, Nafissa. Thank you. Bonjour Olivia, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour. merci bien vraiment de m'avoir donné la parole, que je puisse m'exprimer en ma qualité de chair du groupe de travail renforcement des capacités. Et je remercie vraiment les uns et les autres d'avoir su porter leur confiance en moi pour vraiment coordonner les activités de ce groupe. Combien important dans la vie de CSOMI et combien important dans la vie des différentes structures que composent le CSOMI dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et bien, je devrais vraiment transmettre ma communication pour voir un peu les différents axes de ma présentation, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps matériel pour pouvoir le faire parce que je disais que j'étais sur le terrain et aussi nous avons vraiment des auditeurs qui sont en train de faire un audit à notre niveau. Donc, c'est vraiment, même ce matin, je me suis connecté et puis on m'a appelé. Vous avez vu, même dans les présentations, je n'étais pas là. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai dit, je veux intervenir quand même pour donner vraiment du tonus à vraiment ce que notre groupe est en train de faire. Bien que moi, je n'ai pris les rênes de ce groupe qu'il y a juste 3 mois, je pense, 3 mois. Donc, en ma qualité, je pense bien que on a eu juste un webinaire après ma désignation du chair de ce groupe. Mais quand même, en 2023, je pense bien qu'on a le groupe de travail renforcement des capacités a eu quand même à faire beaucoup de webinaires et par rapport au renforcement des capacités, non seulement des structures membres de CSFORMI et aussi au niveau de CSFORMI même, surtout sur les thématiques qui sont d'actualité,
et sur la mobilisation des ressources, le plaidoyer, surtout que le CS Famille a vraiment un mandat fort par rapport à cette thématique-là. Donc, nous avons quand même pu suivre des formations sur cette thématique-là, la mobilisation des ressources, le plaidoyer et la communication, ainsi que certaines formations dont vraiment je n'ai pas pu prendre part. Mais quand même, je pense bien qu'il y avait eu beaucoup de renforcement des capacités qui ont été faits à l'endroit de ces structures membres. Tout récemment, nous avons quand même eu avec les autres membres du groupe du CES Formi à transmettre un formulaire pour que les gens puissent renseigner par rapport à ce que nous devons faire l'année 2024 en ce qui concerne le renforcement des capacités. Mais malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées par rapport aux informations dont nous avons besoin. Mais, comme je l'ai dit, qu'à cela ne tienne, nous avons quand même eu certains membres qui ont pu renseigner ce formulaire-là, qui nous ont donné un peu des pistes par rapport aux actions que nous pouvons faire, qui peuvent nous permettre d'avoir un plan d'action 2024 pour pouvoir essayer de voir dans la mesure du possible comment essayer de renforcer les capacités des structures membres et aussi garder certaines thématiques qui ont pu quand même donner des résultats non seulement dans les actions que les uns et les autres sont en train de faire sur le terrain et aussi permettre aux uns et aux autres aussi de combler les insuffisances par rapport à nos interventions. Donc, dans les perspectives, nous avons quand même énuméré un certain nombre de points, surtout si toutefois nous pouvons faire revenir sur certaines thématiques comme la communication, comme le plaidoyer, comme la mobilisation des ressources, et aussi essayer d'encourager les membres du service formé vraiment à participer aux sessions de formation. Parce que le problème que nous rencontrons, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on essaie de faire un diagnostic pour voir le pourquoi. Les uns et les autres ne s'intéressent pas trop à vraiment ce que les uns sont en train de faire. Parce que même le dernier webinaire, si j'ai bonne mémoire, on était un nombre restreint qui ont participé. Et même le formulaire, il a fallu que j'ai appelé un. Les membres du groupe pour pouvoir renseigner le formulaire. Et avec tout ça, vous avez vu, avec tout ça aujourd'hui, vous avez vu, nous n'avons pas eu bon nombre de personnes qui ont renseigné le formulaire, qui vraiment devrait nous permettre de faire des choix, des pistes de thématiques et faire un plan d'action qui va être considéré comme notre feuille de route pour 2024. Et je pense bien que je profite de cette occasion, de cette plateforme, pour demander aux uns et aux autres, c'est pas tard, vraiment d'ici février, si on peut avoir les informations par rapport à ce que nous leur avons demandé, pour que nous puissions vraiment asseoir un plan d'action en bonne et due forme qui et il va vraiment de l'avis de notre groupe de travail. Je sais que les uns et les autres ont beaucoup d'occupations. Les gens sont sur beaucoup d'autres sujets, ou bien sont sur le terrain, ou bien ont autre occupation à faire. Mais vraiment, comme je l'ai demandé sur notre plateforme, vraiment, il faut que les gens essaient de s'intéresser à ce que nous sommes en train de faire pour que notre lutte commune donne toujours les résultats que les résultats escomptés. Donc, voilà un peu ce que j'ai tenu vraiment à présenter. Comme je le disais, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'informations par rapport, comme je viens de prendre le groupe de travail tout récemment, mais les informations qui sont à ma possession, c'est ce que j'ai vraiment tenu à porter à votre connaissance pour que, au-delà du groupe de travail, cette plateforme-là nous permette quand même d'avoir certaines informations complémentaires pour étoffer vraiment ce que le disponible déjà.
Sur ce, vraiment, je remercie les uns et les autres et nous allons continuer à travailler pour que notre plan d'action puisse vraiment être bien ficelé et que cela nous permettra vraiment d'asseoir des actions concrètes sur des thématiques d'actualité, sur des interventions pérennes pour que vraiment la lutte contre le paludisme est tant souhaitée que nous puissions éliminer le paludisme d'ici un proche avenir. Merci bien. Merci. Merci beaucoup, Maria. Merci pour le grand travail de mobilisation que tu abordes pour ce groupe de travail sur lequel nous comptons aussi grandement. Vous savez, CSFOMIS s'est donné vraiment la mission de renforcer les capacités des organisations de la société civile. Et depuis que nous avons commencé ce travail, nous voyons déjà les résultats et nous en sommes très fiers. Et c'est vous, ce sont vos contributions qui nous encouragent à continuer à faire ce travail. Donc, nous allons partager avec vous dans le chat et aussi par mail et dans les groupes ce formulaire pour que nous puissions davantage recueillir vos avis, pour que nous puissions savoir quels sont les thèmes que vous voulez vraiment, les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on insiste cette année en termes de renforcement des capacités. Donc, nous vous en remercions grandement. Nous allons passer la parole au chair du groupe plaidoyer et communication, Monsieur Maloubi. Monsieur Maloubi, nous vous passons directement la parole. Merci encore, Oui. Somalia. Maloubi, à vous. Oui. Allez-y, c'est Oui, bon. merci beaucoup. Oui, Allez-y. allô, vous me suivez? Très bien. Allô, oui, bonjour. Donc, je disais que... Oui, je disais que bonjour à tout le Pardon, monde, il n'a plus. à tous les membres de CESFORMI. Je voulais d'abord, avant de commencer ma présentation, je voulais d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est bien entendu de formuler les meilleurs. Aussi, une mention spéciale à madame, à la coordinatrice de cette formule, madame Duago, pour son leadership éclairé. En tout cas, sans lesquels CESFOMI a arrivé à ce niveau que nous avons, le niveau que nous avons atteint actuellement. Alors, les autres m'ont précédé. Je pense que il y a cela. Donc, cela veut dire que nous n'avons pas vraiment commencé à travailler comme il se doit. Mais en ce qui concerne notre groupe, nous avons tenu, ça c'est en termes d'activités réalisées en 2023, une réunion avec tout. Le but étant bien entendu de la prise de contact et après nous avons réfléchi ensemble comment mettre en place et élaborer un plan de travail. Je pense que cette réunion pour étouffer, si vous voulez bien, pour enrichir, si vous voulez bien, notre mandat. Donc, nous y sommes. Au-delà de ça, c'est que la diffusion d'une lettre est passée à participer à cela. Et je pense que là, déjà tout nous avons réalisé, hein, après plus de fonctions. Mais je peux dire qu'il y a aussi des acquis que nous comptons capitaliser. Mais je pense que dans le cadre des activités en termes d'acquis, je pense qu'il faut capitaliser, bien entendu, ces acquis-là. Maintenant, en ce qui concerne les perspectives de 2024, comme je l'ai dit tantôt, c'est que il faut que nous ayons une boussole. La boussole, c'est le plan de travail. Donc, je pense que dans un bref, dans un dans
dans un futur très proche. Je vais donc convoquer une réunion ensemble. Nous arrivons à adopter, si vous voulez bien, un plan de travail qui va donc découler, bien entendu, du plan stratégique ou bien du plan opérationnel de 2021-2025. On va travailler, nous allons vous partager notre plan de travail. Donc, je suis toujours dans les perspectives pour l'année 2024. Donc, il y aura des réunions, comme je l'ai dit, d'activité. Et nous allons aussi, en tant que groupe de travail, communication et plaidoyer, aussi participer à l'élaboration du plan de travail pour la préparation de la célébration du Jugement mondial du Palais 2024. Nous allons aussi, comme je l'ai dit, participer à la conception de l'aide de plaidoyer du forum annuel de 2024 et aussi encourager les membres à participer à toutes les actions de plaidoyer menées par les 7 formules. Et il y a aussi un autre aspect que que je voulais insister là-dessus, c'est parce que y a une possibilité des associations membres de ces formules, c'est-à-dire demander chaque année à chaque organisation de faire parvenir les contenus entendus par là, les images, les actions que chaque organisation mène sur le terrain afin de permettre au secrétariat de cette formule de les publier, de les diffuser hein, à travers des canaux communautaires tels que le groupe WhatsApp de cette formule ou bien à travers d'autres canaux. Donc vraiment, je pense ici à toutes les organisations. Vraiment parvenir tous ces éléments-là qui vont permettre à nous, en tant que groupe, en tant que secrétaire de cette famille, de faire la portée de nos actions. C'est très important. Donc, cette action-là aussi fera partie des personnes. Donc, voilà, grosso modo, c'était à mettre à disposition de tous les membres de cette forum. Donc, on doit se mettre au travail parce que le travail va permettre de. Parce que tous les membres du groupe communication et plaidoyer, c'est un membre très actif. Merci beaucoup et aimable Merci. attention. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maloundi. Merci vraiment aussi pour ton engagement en termes de mobilisation. Nous le rappelons, les groupes de travail sont vraiment volontaires, donc nous saluons grandement votre disponibilité et le temps que vous apportez pour contribuer à la réalisation des atteintes et des objectifs de ces différents groupes de travail. Et nous n'oublions pas le plaidoyer et la communication, c'est un aspect très important de la plateforme parce qu'une autre mission que nous nous sommes donnée, en plus du renforcement des capacités, c'est d'unir la société civile, que la société civile puisse élever la voix, puisse parler d'une même voix pour que nous puissions avoir plus d'impact. Imaginez si les OSC du Nigeria, de la Tanzanie, du Cameroun, de la RDC, tous ces pays se mettent ensemble pour demander une seule chose à nos leaders, que ce soit nationaux ou internationaux, nous pensons que cela a plus d'impact. Et c'est pour cela que nous saluons grandement le travail que vous effectuez. Merci beaucoup encore, Monsieur Maloubi. So, I will hand the floor directly to Mr. Teye, who is the chair of the CCMCS for Me Working Group. Mr. Teye, you have the floor. Thank you very much. Please, Mr. Teye, you have the floor, Jonathan. Yeah, Yes, thank thank you you. Go very ahead, much. please. Thank you very much, Karen. Sorry, I was having some technical problem with my mic, so it's now resolved. So let me share my screen. Okay, please go ahead. Thank you.
OK. Yeah, can you see it? Hello? Yes, go ahead, please. Okay, thank you very much. So this is the CS for me, Technical Working Group, CCM Technical Working Group. So first of all, I will, together with my co-chair, Theodore, will say bon année or Happy New Year 2024 to each and everyone. We thank each and everyone for the momentum throughout the 2023, because we know that the 2023 was a busy year because it was a year that country dialogue took place, concept note took place, grant making also took place, and which is even ongoing. So we are grateful to all CCMMS who are part of the group, and with their they made time to attend the group webinar to share their experiences and how best to shape civil society participation in the CCM and the grant oversight. So I will be talking briefly on some key activities in 2023 and the proposed one in 2024. So I would say that in 2023, I think something is missing here, but in 2023, we had a webinar on the best practices of malaria civil society in countries. And through that, there were a lot of problems that were shared. Some like a problem of allocating resources to CSOs, civil society not often involved in early stage of concept note, civil society like a case of Benin, where there is no civil society representation to fight against malaria. But with all these challenges that we were able to document over the years, I think during the FM GC7 grant, a TRP mock-up in Senegal, I met Madame Olivia, where out of some of these challenges, she was briefing me on how CS for me intensively supported Benin in this area to make sure that in the GC7 implementation, civil society will have clear representation in the community in fighting against malaria in Benin. So it has been something helpful and something very, very fruitful of having that, sharing that experience and discussing those issues and putting it down as a document. So out of that same thing, we realized that some recommendations have to be made. There is the need to improve mechanism for recruiting civil society representation in the CCM. Though we have civil society representations in the CCM, but over the years, it seems like in some countries, people just find themselves there. Constituents that they represent do not even know they are there. So it's something that I see as for me, CCM Working Group, we need to take a very deep look at and make sure that all malaria endemic countries, there should be a clear civil society representation from coalitions of NGOs that implement malaria in country. And when it happens like that, there will be a collective mind from the people that will translate to the CCM for better
planning for action. But when it happens that people who represent these coalitions and represent this network at the CCM are not the right people, information flow back to them is very, very, very negligible or does not exist. And that make break the civil society front in country. Like, for instance, talking about Benin not having any civil society clearly implementing malaria over there past years. It could be as a result of some of these challenges that were identified in this particular area. I think also during the GC7 grant making process or grant writing and grant is malaria civil society participation in global fund, that is the GC7 grant making challenges and best practices. So there was presentation from Tanzania, presentation from Ghana, and these were the people who really made the present. We have Tumani Mbibo, executive director Inanso, and Jonathan Tetekwate from Ghana Coalition of NGOs in Malaria, Greater Accra Region. Then Hamza, director of USCAV. All these people brought share key best practices and challenges as far as the grant making process of the GC7 were ongoing. And I could remember that during my presentation, I said that during country dialogue, there is a need for civil society. So in country dialogue, civil society are heavily involved because they want civil society to make the noise, people to hear about the whole grant global fund process. But when it comes to a grant making process, then gradually civil society is being excluded gradually. When it becomes to writing, the writing, grant making, and implementation, then now it becomes a challenge for civil societies to find itself in that space. And it shouldn't be so. Like the momentum civil society put in right from the country dialogue, the same momentum should be acknowledged or recognized through the process of concept no writing, grant making, and grant implementation. But when we are approaching society, don't have the capacity, civil society don't do this, civil society don't do this. So those are the things that the CS for me, CCM working group, do not want to hear anymore, because with the CS for me capacity building process, as Madam Olivia shared, others are sharing, a lot of capacity building have gone on here. And as at now, no country or civil society representation on this platform that have participated in most of this capacity building process should still complaining about that we don't have the capacity, we are still excluded from grant writing, from grant making, and then also from implementation. So I think going forward, the CS for me, I think globally is recognized in the Global Fund Framework, Rollback Malaria, all key partners. But when it's come to various CCMs in country level, I think, sir, the CS for me through the working group need to do more. And I think going forward in 2024, things that we would like to see, that is a letter to the CCM. And this letter to the CCM, I will propose that should highly introduce CS for me representation to the country coordinating mechanisms. And through this letter, as the content also is,
should clearly communicate to the various CCMs about civil society involvement and the role that civil society have to play and have to be involved in the elimination of malaria by 2030, as every country is now moving towards, every malaria endemic country is moving towards. So why this letter? Simply because in many countries, you don't see civil society organizations doing malaria implementation at the community level. Those things are done by international organizations. And we call something like by transfer of knowledge. And then, and all those capacities and all those things. If we leave this thing, implementation to international organizations, they live with this experience, they live with this all this knowledge. So there is the need for the CS4Me through the CCM working group to make sure that civil society need to be shared when it comes to this area. Civil society must be given the needed support to make sure that, because civil society are in the community, and I will say that are part of the community. And when it comes to country ownership, when it comes to country ownership, you cannot take civil society out of it. So it's something that this letter must communicate clearly to various CCM to make sure that civil society have a clear representation in implementation of malaria grant in countries. Also, secondly, it will be added and to be refined later. We are looking at capacity building on protection from sexual exploitation, abuse, and harassment. I think it has been a great topic over the years. I think right from NFM to of the Global Fund implementation. And we have courses on this on the island that is on the Global Fund platform. Capacity needs to be built at this area. Every member at the CCM need to sign up to this PSEAH by doing the course and make sure that you submit your certificate to the CCMs. And then lastly, we will see the capacity building of members to enable them partake in CCM oversight. I mean, you cannot be just in country and you cannot know what a Global Fund Malaria Grant is doing on the field. So in the CCM oversight committees, members' capacity need to be built to make sure that they join those and make sure that they see, they monitor the grant and make sure where every person or a dollar goes, they follow on that. So I think that is all. So thank you. So they're telling you zero malaria now. That is a National Malaria Elimination Program, Ghana. That is a team now, zero malaria now. So thank you and over. Thank you very much, Mr. Jonathan. Thank you very much for involving your implication in this working group. You know, CCM is the part of the Global Fund where civil society can directly discuss with the Global Fund to tell what they want to be included. They should be included in the concept note. Yes. So thank you very much. Just note that now we wrote a deep letter to address this problem of the CCM to hand over to civil society so that civil society can be more involved in Global Fund consent process. So thank you very much. We will share again this letter to all of you so that you can put your input this week
please do it by this week so that we can close it. And then we count on everyone on you to also share this letter widely, because we need you, we need your presence, you need your engagement, and you need you also as advocates. So thank you very much, Jonathan. I will just give the floor directly to my colleague Fidel. After Fidel, we will have 10 minutes for discussion. So please, if you have also any comment or any question, you can write in the chat and you can also write in the Q&A box. So Fidel, you have the floor. Thank you very much again, Mr. Jonathan. Merci beaucoup, Karine. Bonjour à tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais juste couper ma caméra pour m'assurer que la connexion passe bien durant ma présentation. Merci. Je vais de ce pas vous présenter le work plan annuel, le work plan annuel CSOMI, CRD, qui s'attarde sur des questions liées aux droits humains et aux genres dans l'accès et l'utilisation des TVD contre le paludisme. Rappelons que ce volet s'attarde beaucoup plus sur le renforcement des capacités de la société civile paludisme à pouvoir mieux adresser les problèmes rencontrés par les populations vulnérables dans l'accès et l'utilisation des services et des interventions et des services de lutte contre le paludisme. Donc, dans ma présentation, je vais vous présenter les activités clés majeures qui vont être mises en œuvre en 2024 à l'endroit des membres CSOMI, qui constituent la principale cible de ce work plan, et également à l'endroit des membres CSM, comme on l'a bien présenté, M. Jonathan, qui rappelait l'importance des membres CSM. Nous allons encore revenir lors de cette présentation sur ces aspects-là. Donc, je dirais d'abord que sur le plan régional, parce que juste pour préciser, comme cela s'est fait depuis pratiquement 3 ans, les activités de ce work plan sont mises en œuvre aussi bien au niveau régional, avec possible tous les membres CSOMI, tous les membres des CIS, tous les représentants de la société civile dans les CCM des pays où cela existe, ainsi qu'auprès des PNLP et autres partenaires directement impliqués dans le paludisme. Donc, le work plan de cette année, le plan de travail de cette année, comporte 5 objectifs. L'objectif numéro 1 est de s'assurer que les populations à risque de paludisme ou bien mal servies par les interventions de lutte contre le paludisme comprennent ce que fait le Fonds mondial, sa stratégie, son modèle de travail, comprennent le cycle de vie des subventions et surtout comment est-ce que cela se déroule, les mécanismes de mise en œuvre des subventions du Fonds mondial au niveau pays, à travers les plans stratégiques nationaux et les CCM. Donc, comme première activité, nous aurons à développer un kit de formation orienté sur le mécanisme du Fonds mondial qui va inclure un certain nombre d'éléments issus de la stratégie et autres documents du Fonds mondial adressés et adapté aux populations vulnérables au paludisme, afin de s'assurer que aussi bien la société civile paludisme que les communautés vulnérables comprennent de manière plus aisément ce que fait le Fonds mondial. Après avoir développé cet outil, nous allons organiser un webinaire bilingue, virtuel, afin de s'assurer effectivement que la société civile, les communautés vulnérables et tous les partenaires directement impliqués bien qu'ils travaillent directement avec les communautés vulnérables, puissent comprendre mieux cet outil et pouvoir, dans une moindre mesure, la restituer lors de leurs différentes activités de sensibilisation ou autres avec les activités avec les communautés vulnérables. Toujours dans le même objectif, nous aurons par la suite à effectuer des coachings et des mentoring avec les points focaux pays qui ont été choisis par le Fonds mondial afin de s'assurer que les communautés comprennent aisément le mandat du Fonds mondial, sa stratégie, et surtout, le rôle de la société civile, le rôle des communautés dans la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Par la suite, nous allons lancer officiellement une newsletter régionale, Making the Digital System Malaria Program Work for Us, et si nous aimerions
que à travers cette newsletter, on puisse mieux présenter ce que fait la société civile, ce que fait les PNLP, ce que fait les ministères de la Santé et surtout ce que font les membres des CCM afin de pouvoir au mieux apporter des réponses et partager des bonnes pratiques en termes de services délivrés au sein de la communauté, surtout en termes de programmes de lutte contre le paludisme. Et si on va faire un focus sur six pays, qu'on reviendra par la suite, on va présenter ces six pays par la suite. Et comme les tiers ont présenté plus haut, on va beaucoup demander aux différents tiers, aux différents working groups de pouvoir apporter leur appui dans la revue et la finalisation des outils qui seront développés. On va mettre un accent sur le CSOM, Capacity Building Working Group, qui va beaucoup travailler avec les différents, avec le secrétaire CSOM dans la revue des outils et avant la finalisation. Concernant l'objectif 2, nous sommes toujours dans les activités planifiées au niveau régional. Il consistera à s'assurer d'un suivi du support apporté aux populations vulnérables au paludisme afin qu'elles puissent mieux s'engager auprès des représentants de la société civile et des communautés vulnérables dans tout ce qui concerne les activités des CCM. Donc ici, on va conduire en termes d'activités, on va conduire une réunion, un webinaire régional où on aimerait pouvoir échanger et former les membres des CCM et les représentants et les OSC paludisme dans le suivi et la supervision des programmes de lutte contre le paludisme. Donc ici, on veut mettre un accent, autant pour moi, sur comment est-ce que sont mis en œuvre les programmes paludisme au niveau pays. Et c'est dans ce sens que nous allons faire cette formation, ce webinaire au niveau régional. On va également apporter un support au point focus CSOMI à travers une formation régionale sur comment développer un plan annuel de plaidoyer SMART. Donc, un plan vraiment qui soit spécifique à certains problèmes adressés par la communauté vulnérable. Par la suite, à travers le travail des CSM Working Group, on va vraiment s'assurer que les bonnes pratiques, les défis rencontrés par les communautés vulnérables ainsi que par la société civile de manière générale puissent être remontés de manière efficace jusqu'au CCM pour pouvoir être adressés et qu'on puisse trouver des solutions, surtout dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre le paludisme. L'objectif 3 de ce work plan s'attardera sur l'apprentissage et sur la gestion de la connaissance. Donc, à travers cet objectif, nous aimerons une seconde, nous avons juste eu un petit souci de connexion. OK, en attendant que mon collègue Fidel puisse se repositionner, nous pouvons embrayer avec la phase des discussions. Donc, si une personne voudrait intervenir, voudrait peut-être poser une question ou dire quelque chose par rapport à son ressenti au sujet de tout ce qui a été présenté jusqu'à présent, n'hésitez pas à lever la main. Nous allons vous donner la parole. Premier Claude. Allez-y, pasteur, vous pouvez dire un mot. Allez-y, pasteur, nous vous écoutons. Merci, maman Karine. J'espère que je suis entendue. Oui, très bien. OK. Non, sinon, en ce qui nous concerne, d'abord, beaucoup de remerciements à CESFORMI, surtout dans le cadre des renforcements de capacités. Vraiment, ça a été très efficace en 2023. Et en plus de cela, le soutien financier que CESFORMI a accordé à certaines sociétés a été vraiment très bénéfique pour nous permettre effectivement de participer
et de participer aux différentes sessions dans la rédaction des projets. Et en plus, il y a eu, en ce qui concerne, vous voyez, par exemple, ceux qui nous représentent au niveau du CSN. Ouais, j'ai suivi Monsieur Jonathan. Effectivement, il a tout à fait raison. Il faudrait qu'au niveau du CSN, que la société civile puisse élire des frères et des sœurs compétentes à nous représenter au niveau du CSN, parce que c'est très important. Et notre souhait est que CESFORMI puisse être aussi un grand bailleur, qu'il ait un volet de rendement financier au niveau des membres qui sont au niveau de CESFORMI. Sinon, que ce qui s'est passé en 2023 avec ce renforcement financier, ça a aidé beaucoup de sociétés civiles. Et j'ai une bonne chose pour mon intervention, Maman Carrie. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, Pasteur Claude, pour votre question. On va certainement là-dessus. Mais juste apporter une précision, c'est que le secrétaire formule les appuis qui sont les petits appuis qui sont parfois accordés à certains. Les OSC se font selon une procédure bien précise et nous ne faisons que, je peux dire, relayer les contributions que donnent les appuis que nous recevons de la part de certains bailleurs tels que le Fonds mondial ou d'autres donateurs. Donc, ce sont ces appuis qui nous permettent de supporter également quelques OSC dans la mise en œuvre de certaines activités pays. Donc, aussitôt que nous avons ces opportunités, nous n'hésitons pas à pouvoir, à travers une procédure bien précise, comme pour l'ensemble des membres de CSOMI, éligibles et le processus suit son cours. Mais nous allons revenir à une présentation par la suite où nous avons élevé ces aspects-là et on va prendre. Mais en fait, je vais finir avec, avec la présentation du work plan. Comme je disais, l'objectif 3, on va également continuer avec les coffee talks, comme nous le faisons depuis déjà 2-3 ans, et où nous allons présenter de manière trimestrielle les bonnes pratiques et les leçons apprises entre OSC de lutte contre le paludisme. Et nous allons continuer également avec une activité très importante pour nous qui se fait chaque année, c'est le annual Civil Society Forum. Le annual Malade Civil Society Forum, où nous connaissons tous ces grands événements et pour les nouveaux membres CSOMI, il s'agit d'un très grand événement en ligne où nous mettons en contribution aussi bien la société civile paludisme, les communautés vulnérables, les experts techniques du domaine du paludisme, les partenaires techniques et financiers tels que, et surtout les grands donateurs tels que le Fonds mondial, l'OMS, RBM et tous ces grands acteurs qui impliquent contre le paludisme. Donc ici, nous pouvons de manière aisée échanger sur tout ce qui est update en termes de lutte contre le paludisme, tout ce qui est leçon apprise sur les grands sujets de lutte contre le paludisme, dans cette activité va se poursuivre cette année dans le cadre du work plan CSOMI. Pour la suite, nous allons dans le cadre de l'objectif numéro 4. L'aspect de apporter l'organisationnel et surtout le support aux organisations émergentes ou naissantes qui font la lutte contre le paludisme. Donc, ici, nous aimerons à travers un outil permettre aux OSC de pouvoir évaluer leur capacité en tant qu'organisation de lutte contre le paludisme. Et toujours dans le cadre de ces activités liées à cet objectif, nous allons avec ces OSC identifier secteur renforcement des capacités pour pouvoir partager les besoins en termes de
potentiels partenaires techniques qui peuvent apporter un appui dans le cadre des assistances techniques. Donc, nous avons déjà évoqué cela tout à l'heure quand on parlait du, quand le chair du M. Malumbi du Capacity Building Working Group a pris la parole, nous avons évoqué cela. M. Soumaïla. Et c'est là, dans le groupe, on a partagé un lien toujours dans ce sens-là. L'objectif 5 et le dernier objectif sur le plan régional est de pouvoir apporter de manière systématique un support aux populations vulnérables au paludisme afin qu'elles comprennent mieux ce qu'elles peuvent, tout ce qui est lié à l'assistance technique et comment pouvoir bénéficier de ces assistances techniques-là. Donc, nous aimons, de concert avec d'autres organisations, et surtout les partenaires CAD, organiser au moins une fois cette année un webinaire virtuel sur, en l'endroit des OS et paludisme des communautés pour, sur comment est-ce qu'on peut, sur les opportunités d'assistance technique, comment y accéder. Donc, cela fait partie du workplace cette année. Et par la suite, pouvoir présenter les opportunités d'assistance technique aux membres CSOMI, cela sera également fait sur le plan régional. Maintenant, sur le plan national, nous avons les mêmes objectifs. Et je disais plus haut qu'avec le conseil du Fonds mondial, il a été demandé de travailler pour cette année, pour ce cycle, six pays. Ces six pays sont la Tanzanie, le Ghana, le Nigeria, le Niger, Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dans ces six pays, on va mener un certain nombre d'activités au niveau terrain, au niveau national. Et parmi ces activités, nous avons par exemple la mise à jour du kit de formation sur les procédures du Fonds mondial adapté au plan stratégique pays dans les pays cités et également la dissémination de cet outil auprès des membres CSOMI dans ces pays et également auprès des autres OSC paludisme. Comme on a dit plus haut, les membres des capacity building de ces pays vont pouvoir participer à la revue des outils développés. Quant à par rapport à l'objectif 2, nous allons mettre à contribution les fonds focaux pays pour qu'ils puissent participer au mapping des OSC et des représentants des communautés vulnérables au paludisme dans les CCM. Et nous allons également travailler à pouvoir former ces OSC sur tous les outils mis à jour en termes de CLM, en termes d'outils du Fonds mondial. Surtout ces formations sont surtout à l'endroit des membres des CCM, des OSC paludisme, des OSC PND, du PNDP et d'autres partenaires spécifiques. Et il y aura également un support qui sera apporté aux membres au Fonds focaux pays à travers des réunions virtuelles pour développer le plan de plaidoyer smart afin de mieux adresser les problèmes soulevés par les communautés vulnérables dans l'accès et l'utilisation aux services de lutte contre le paludisme. Toujours dans le cadre de également au niveau pays, à faire formation des membres des CCM pour qu'ils puissent développer un agenda quant au suivi et à la supervision des programmes subventionnés de lutte contre le paludisme dans le cadre du DCC7. Cela se fera en collaboration avec les OSC TBVIH et aussi d'autres OSC de la santé. Nous avons également lancé dans trois pays, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie, la Task Force PNLP-CSOMI et à continuer à apporter le soutien aux Task Force déjà lancées au Cameroun, au Niger, au Nigeria, surtout afin de s'assurer que les discussions continuent entre le PNLP et la société civile paludisme CSOMI afin de pouvoir mieux remonter les communautés, afin de pouvoir mieux présenter les données sur les paludismes et surtout le rôle de la société civile paludisme dans la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux. Dans le cadre de l'objectif 3, nous allons vraiment encourager les OSC dans les six pays cités plus haut à pouvoir faire leur auto-évaluation afin d'identifier les domaines dans lesquels ils pourront améliorer leurs capacités. Nous allons également lancer dans ces pays de manière plus précise des tables rondes sur le Community avec la participation des OSC paludisme, des OSC TB et VIH.
Là, ça serait des espaces de rencontre où on pourra échanger sur les bonnes pratiques, les leçons apprises, le partage de connaissances et surtout comment travailler en synergie afin de mieux adresser les besoins des communautés vulnérables. Dans le cadre de l'objectif numéro 4, ici, nous allons encourager, comme je dis, les OS à pouvoir vraiment faire à pouvoir utiliser l'outil d'auto-évaluation afin d'évaluer leurs capacités pour un meilleur développement organisationnel. Sur ce, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Karine. Merci beaucoup, Fidèle. Merci pour cette brillante présentation. Alors, comme vous l'avez constaté, nous aurons une fois de plus besoin de votre contribution et aussi de votre participation à toutes ces activités. Rappelons-le, la plateforme CSFORMI a été créée pour vous. Elle a été créée pour que la société civile puisse être plus forte et puisse vraiment se tenir et parler d'une seule voix pour que le plaidoyer de la société civile puisse avoir plus d'impact. Donc, nous ne pouvons pas réaliser ces activités de manière efficiente sans votre contribution. Nous appelons vraiment à votre participation à toutes les activités au niveau pays et aussi au niveau régional en termes de webinaires et toute autre activité. Bien entendu, n'hésitez pas, si vous recevez un email où on a partagé avec vous un élément où on a besoin de votre avis, n'hésitez surtout pas à le donner. Ne dites pas que non, c'est inutile, ça ne va aller nulle part. Nous vous rassurons, comme le formulaire que le Fonds mondial a partagé et que nous avons relayé grandement, c'est pour avoir vos feedbacks, c'est pour que le travail que eux ils font ou alors tous les autres partenaires avec qui nous travaillons font puissent avoir plus d'impact et puissent répondre vraiment au mieux aux besoins des communautés que nous servons. Donc, merci beaucoup encore Fidèle pour cette présentation. Nous ouvrons la parole en termes d'échange et de discussion, 5 minutes parce que nous avons des éléments importants encore à partager avec vous par la suite. Babacar, qui avait déjà levé la main, merci. Allez-y, Monsieur Babacar, vous pouvez parler. Merci. Merci beaucoup, Karine. Merci, merci. Monsieur Babacar. Oui. Vous m'entendez? Monsieur Amadou voudrait réagir. S'il vous plaît, Monsieur Oui, Amadou, nous oui. allons donner la possibilité à nos Allô? membres de pouvoir Allô? s'exprimer. C'est aussi pour cela que cette réunion, nous organisons cette réunion, parce que nous avons besoin de vous entendre, de savoir ce que vous pensez de ce que nous faisons afin que nous puissions davantage améliorer le travail de Karine. la plateforme. Monsieur Fabrice. Karine. Karine. Attendez. Est-ce que Babacar est en train de parler? Oui, je suis Ok. là. D'accord, nous vous écoutons, Monsieur Thiam. OK, merci beaucoup. D'abord, je félicite tous ceux qui ont présenté et la qualité de leur présentation. Je les remercie et je remercie également SASFOMI pour tout ce qu'elle est en train de faire en tant qu'organisation de la société civile. Donc, je ne cesserai de le dire, vraiment, cette plateforme nous réconforte dans nos actions au quotidien. Et je crois que c'est le lieu, à cette occasion de la réunion annuelle, de vous remercier et de vous encourager par rapport à toute cette entreprise-là qui essaie de renforcer la société civile. Ceci étant, j'ai vu qu'il y a plusieurs groupes de travail qui sont mis en place. Mais j'avoue personnellement que je me suis inscrit à un certain nombre de groupes, mais je ne sais pas comment je... participer. Donc ça, vraiment, c'est des choses que... À titre personnel, je déplore. Mais ceci étant, cela ne m'empêche pas. Donc, si toutefois
que je suis, je reçois en tout cas une séance de travail, une invitation pour une séance de travail, comme j'ai l'habitude de le faire, je me sacrifierai vraiment à apporter ma contribution par rapport à ça, parce que j'y crois à sa famille, j'y crois à sa politique, je crois à son engagement, ce qu'il est en train de faire au bénéfice donc des OEC et des communautés dans le cadre de la lutte contre le paludisme particulièrement. Alors, et à présent aussi, je voulais faire une suggestion par rapport au plan d'action. J'ai vu qu'il y a des activités qui sont très intéressantes, mais c'est très important ce qu'on a eu à faire dans le cadre de GC7, la forme d'accompagnement aux... C'est vrai qu'on est dans le cycle d'élaboration jusqu'à la demande au grand making, ça a été fait avec vraiment la manière. Il y a eu des résultats escomptés qu'on a pu enregistrer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça se fait dans la continuité pour essayer de voir quel mécanisme d'assistance pour encore soutenir les OEC dans le cadre de la mise en œuvre. Parce que souvent, c'est là-bas où ça pêche. On peut bien aider les OEC à être dans ce processus assez long, mais enrichissant, qui peut vraiment apporter donc vraiment une valeur ajoutée. Mais si, arrivé à la mise en œuvre, on essaie de baisser plus ou moins les bras, là, vraiment, ça va essayer de plomber les succès auxquels on pourrait s'attendre. Donc, voilà une suggestion. Si c'est possible, comment essayer de créer les mécanismes de continuité en matière d'assistance des vues? Ça pourrait encore davantage renforcer les OEC pour voir un peu quels sont les indicateurs à traquer. Le niveau, c'est là. Parce que sont... l'ensemble de ces encore, un certain nombre de priorités ont été pris en compte, mais au bout du il faut évaluer quels sont les OEC qui ont bénéficié des financements, quels sont les besoins qui sont en train de mettre en œuvre les activités qu'elles ont planifiées dans le cadre donc du GC7. Et en quoi ces activités également sont en train de changer en termes de renforcement de capacité de ces gens, mais en termes de niveau de satisfaction de tout. Donc, on peut essayer de voir de façon technique, au moment venu, si vraiment l'idée est retenue, comment ils travaillent par la suite pour vraiment donner de la matière dans le cadre de la continuité. Je vous remercie. Je suis désolé, je suis en atelier assez important. Toujours, c'est toujours dans le cadre de la société civile. Mais je tenais à participer à ce forum, vu son importance, mais également aussi le nouveau agenda qui est proposé. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Monsieur Babaka. Nous avons bien noté votre suggestion. Nous allons demander à toutes les personnes qui vont prendre la parole d'être le plus bref possible pour que nous puissions avoir un maximum de contributions. Dans tous les cas, merci beaucoup encore, Babaka, pour votre suggestion. Nous l'avons bien noté. Monsieur Fabrice Otoko. Merci, Karine, et bonjour à toute l'équipe de Sieste Formi pour ce formidable travail qui s'abat tous les jours. Et on ne peut que vous encourager et vous remercier à pouvoir faire davantage. Je voudrais, à la suite de tout ce qui déjà a été dit et également de la planification qui est faite pour l'année 2024, essayer de suggérer à Sieste Formi s'il était encore possible de pouvoir prendre en compte deux éléments. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons pu avoir des coalitions au niveau de nos pays par rapport aux organisations qui interviennent dans le paludisme. Mais le suivi que devraient faire ces organisations ou bien cette coalition par rapport au programme, par rapport aux activités communautaires paludisme, c'est des choses que forcément on n'a pas ces compétences au sein de ces regroupements. Donc, pour cela, moi, je voudrais vraiment penser qu'il faudra essayer de voir déjà les pays qui ont déjà ce genre de coalition, comment faire pour renforcer un certain nombre sur la base d'un profil pour être sûr que la formation, le renforcement qui sera fait sera vraiment utile à nos différents pays. La deuxième chose, c'est par rapport aux représentants qui sont au niveau des CCM. Moi, je voudrais également proposer à Sieste Formi, s'il était possible, parce que qu'on le veut ou non, ce sont eux qui vont nous aider à avoir les informations
au niveau des instances. Et sans ces informations stratégiques, nous ne pouvons rien faire au niveau de la société civile. Donc, s'il était possible de pouvoir essayer d'avoir un cadre de renforcement de façon périodique à l'endroit de ces représentants qui sont au niveau des CCM, principalement les populations clés et quelques groupes cibles au niveau de nos CCM, surtout dans la zone ouest africaine francophone, ce serait quand même une bonne chose parce que en faisant cela, cela pourrait vraiment les aider à pouvoir mieux jouer leur rôle, mieux partager l'information, qu'on puisse avoir vraiment des évidences certaines qui pourront nous aider également chez nous dans nos actions de plaidoyer. Et un problème important qu'aujourd'hui beaucoup de personnes abordent, c'est que ces représentants au niveau des instances, au niveau des CCM, pouvaient également être quand même des gens qui pourront vraiment essayer d'avoir des articles à partager, à publier, vu la chance qu'ils ont au niveau des CCM. Mais du moment où ils n'ont pas cette capacité, est-ce qu'il ne faut pas penser quand même à leur donner un tel renforcement pour pouvoir vraiment booster un peu ce qui se fait par la société civile au sein des CCM? Merci. Voilà en quelques mots mes contributions et mes observations. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, pour ces contributions. Oui, la CCM, nous, juste pour répondre rapidement, c'est prévu de travailler encore en profondeur avec les CCM pour que leur capacité soit davantage renforcée et pour qu'elle puisse être effective. Et bien entendu, les membres des CCM se doivent d'être redevables. Donc, nous pensons que si elles ont les capacités suffisamment renforcées, elles pourront être à même de mieux partager, que ce soit avec vous, avec la société civile avec laquelle elles travaillent directement et même les communautés qu'elles servent. Elles pourront aussi donc mettre en place ce mécanisme de redevabilité, de transfert d'informations dans les deux sens. Ce serait vraiment très important. Mais oui, nous avons noté votre suggestion et ce sera pris en compte. Vous avez parlé aussi des coalitions pays. Notre objectif, c'est vraiment juste d'élaborer un guide pour que les pays, les différentes organisations de la société civile s'en inspirent. Et nous conseillons vivement aux OSC dans les différents pays de se mettre ensemble. Maintenant, nous verrons dans quelle mesure pour ceux des pays qui ont déjà cette coalition pourront créer une sorte de plateforme de renforcement des capacités pour que ces autres pays qui ont pris des initiatives dans le même sens pourront vraiment avoir aussi comment est-ce que ça peut apporter du fruit pour qu'elles puissent être encouragées à mettre en place ce mécanisme et mettre même en place un bon mécanisme pour que la société civile puisse être coordonnée. Parce que nous le savons, il y a souvent dans ce genre de coalition, il peut avoir des problèmes de leadership, des problèmes de frustration et tout cela. Comment les autres pays où ce genre de coalition ont déjà été mis en place font pour surmonter ces problèmes pour que la société civile puisse réellement parler d'une seule voix. Merci beaucoup, Fabrice. Mr. Abraham Ba, et puis nous allons continuer avec notre agenda. Merci beaucoup. Mr. Abraham, you have the floor. You can just unmute your mic. Ou Monsieur Abraham, vous avez la parole. OK, nous allons continuer notre agenda. Merci encore à tout le monde. Merci pour votre sollicitation. Merci pour vos contributions que vous avez mises aussi dans le chat. Elles sont prises en compte. Elles sont bien notées et elles seront prises en compte. Je le rappelle, c'est l'objectif de cette réunion annuelle, vraiment obtenir les avis, ce que vous pensez de ce que nous faisons. C'est très, très important pour nous de vous entendre. Donc, si vous avez une question, une quelconque suggestion, quelle qu'elle soit, je vous en prie, n'hésitez pas à la faire. Nous allons vous présenter rapidement ce que c'est que CS Formé en termes de membership, c'est-à-dire qu'est-ce que signifie être membre CS Formé, comment devenir membre CS Formé. Nous allons un peu parler des groupes WhatsApp parce que nous avons remarqué des fois, certains collègues envoient des messages inappropriés dans le groupe. Donc, nous allons revenir juste faire un bref rappel sur la charte des membres et aussi parler du rôle du CS Formé.
Quel est le rôle d'un membre? Quels sont ses devoirs et ses responsabilités en tant que membre CS4Me Diapo? Diapo. Alors, pour devenir membre CS4Me, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site Diapo. Il suffit d'aller sur le site internet www.csformi.org. Vous allez trouver là-bas l'onglet devenir membre. Et nous le rappelons, la CSOMI est cette plateforme des organisations de la société civile engagée pour l'élimination du paludisme. Donc, je le disais tantôt, l'objectif principal, c'est vraiment que la société civile soit unie et puisse parler d'une seule voix pour qu'ensemble, elle puisse être plus effective sur le terrain. Diapo. Et sur la deuxième diapo, nous avons juste présenté à comment est-ce que ça se présente sur le site. Devenir membre CS4Me. Lorsque vous allez sur le site, vous pouvez voir directement cet onglet devenir membre. Il vous suffit de remplir ce formulaire. Oui, c'est beaucoup de questions. Nous en sommes conscients, mais ce sont des questions très importantes pour nous. C'est important pour nous de savoir dans quel pays vous vous trouvez, de connaître les communautés que vous servez, avec lesquelles vous travaillez, de savoir quel est votre lien avec le Fonds mondial, de connaître même ce que vous attendez de la plateforme CS4Me, de savoir aussi comment vous avez entendu parler de CS4Me, c'est très important pour nous. Et je le rappelle, dans ce formulaire, vous avez accès à la charte de membres. Je vais juste rappeler brièvement ce qu'il en est en termes du rôle. Mais dans cette charte de membres, quand vous la lisez attentivement, vous avez tous les éléments. Diapo. Nous allons parler rapidement des groupes WhatsApp. Nous le rappelons, lorsque vous avez l'acceptation, vous recevez le mail qui vous signale que vous êtes désormais membre CS4Me. Dans ce mail, vous avez le flyer de CS4Me qui vous présente CS4Me brièvement et le lien du groupe WhatsApp qui vous est dédié. Par exemple, si vous êtes de l'Asie, vous avez accès au lien directement qui vous conduit dans le groupe CS4Me dédié à l'Asie. Si vous êtes de l'Afrique anglophone, c'est la même chose. Si vous êtes de l'Afrique francophone, c'est aussi la même chose. Alors, par rapport à la charte des membres du groupe WhatsApp, nous n'allons pas totalement la lire puisque vous allez recevoir cette présentation et nous allons aussi partager cette charte dans les groupes. Mais juste pour rappeler que les groupes WhatsApp sont créés et dédiés uniquement pour parler des problèmes liés à la lutte contre le paludisme et aussi à la santé en général. C'est-à-dire, si vous avez une information liée à la lutte contre le paludisme ou même dans la santé en général, n'hésitez pas à la partager dans le groupe. Mais si vous avez une quelconque préoccupation, il y a les administrateurs du groupe, il y a les membres du secrétariat CS4Me à qui vous pouvez écrire en ligne. Bon, si vous avez une quelconque préoccupation que vous jugez peut-être personnelle, mais ce groupe WhatsApp est vraiment dédié aux activités des membres. Si vous avez organisé une activité dans votre pays et que vous jugez que ça peut aider les membres du groupe, ça peut inspirer d'autres personnes qui sont dans le groupe, n'hésitez pas. Si vous aimez un sujet de discussion, comme nous parlons peut-être du changement climatique ou peut-être vous avez une news par rapport à cela, n'hésitez pas à la partager. Diapo. Donc, nous encourageons bien entendu à partager au maximum dans les groupes. N'hésitez pas à partager, vraiment, n'hésitez pas à partager ce que vous avez, ce que vous faites en termes d'activité, en termes d'action que vous menez sur le terrain. Si vous êtes invité
assister à une réunion de plaidoyer ou si même c'est vous qui organisez une réunion de plaidoyer, n'hésitez pas à le partager dans le groupe. Ça nous permet à nous de relayer cela sur toutes nos différentes plateformes pour que vous puissiez avoir un maximum de visibilité. Donc, comme nous l'avons fait dans les années antérieures, cette année, nous allons encore continuer à faire appel à vous. Nous allons vous envoyer des messages dans les groupes et aussi par email pour que nous puissions vous entendre, savoir ce que vous faites, pour que nous puissions partager avec vous vos expériences. Et je le rappelle aussi, lorsque nous partageons avec vous notre newsletter, vous pouvez la lire. Ça, il y a aussi ce que les organisations de la société civile qui sont dans d'autres pays et même dans d'autres continents font. Ça peut aussi vous inspirer. Donc, juste pour faire ce rappel en passant diapo. Merci. Par rapport au rôle des membres, aux responsabilités des membres, il est important pour les membres vraiment que lorsque vous adhérez, d'avoir l'esprit de la plateforme, c'est-à-dire le but commun qui est d'éliminer le paludisme, de prendre part de manière active à toutes les activités et à toutes les requêtes. Si nous avons partagé avec vous un formulaire et que vous avez 5 minutes à dédier à ce formulaire pour répondre, n'hésitez pas. Si nous avons partagé avec vous un lien qui vous permettra d'accéder à une session de renforcement des capacités, n'hésitez pas. Appuyez toutes les activités de la plateforme. Ici, il s'agit surtout de toutes les actions que nous menons en termes de plaidoyer. Par exemple, lors de la journée mondiale, la période de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, il y a des messages clés que nous disions, que nous vous invitons toujours à partager sur vos différents réseaux. Et il y a certains, même nous avons vu dans certains pays, il y a des gens qui organisent des activités propres avec ces messages clés. Donc, c'est très important. Le rôle des membres, c'est vraiment de participer de manière effective et concrète aux activités de la plateforme. Merci. Diapo. En termes de responsabilité, en termes de devoir, pardon, pour les membres CS formés, en termes de devoirs, il faut aussi, nous vous rappelons, si vous voulez prendre un quelconque engagement au nom de CS formés, cela n'est pas possible. Seulement et uniquement que si vous écrivez au secrétariat CS formés, et le secrétariat CS formés va relayer l'information, la requête au steering committee qui va l'étudier et revenir vers vous pour voir si cela peut être fait. Mais dans tous les cas, pour faire prendre quelconque engagement au nom de CS formés, cela n'est vraiment pas possible. Tout le monde est membre CS formés. Vous pouvez dire à tout le monde avec vos certificats de membre que vous êtes membre CS formés. Mais en ce qui concerne de parler au nom de la plateforme, avant de le faire, nous vous prions d'écrire au secrétariat et le secrétariat verra avec le steering committee, pourra étudier votre requête pour voir dans quelle mesure cela peut être possible. Donc, nous vous demandons vraiment d'être davantage plus actif dans toutes les activités, d'être plus réactif aussi parce que nous avons toujours besoin de vos feedbacks, de ne pas hésiter à nous écrire, que ce soit par email ou dans les groupes ou même en inbox, si vous avez une quelconque préoccupation, une suggestion, c'est toujours la bienvenue. La plateforme CS4Me est là pour vous et nous ne pouvons pas faire le travail que nous faisons sans vous. Sur ce, je vous remercie. Je passe rapidement la parole à ma collègue Sorel Ngifo qui va rapidement revenir sur les différents outils. Nous allons partager avec vous les différents liens pour devenir membre aussi dans le chat, juste pour rappel. Mais c'est disponible sur le site CS4Me. Sorel, you have the floor. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Merci de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Sorel Ngifo du secrétariat CS4Me et je vais rapidement vous présenter les différents outils qui ont été élaborés par CS4Me pour ses membres durant l'année 2023. Donc, diapo. Premièrement, nous avons le guide de suivi communautaire des programmes clés de lutte contre le paludisme. Donc, c'est un outil qui a été élaboré à l'aide d'un consultant, des membres CS4Me et des partenaires
à l'attention des organisations de la société civile dans le but de renforcer les capacités des OSC en matière de suivi communautaire et afin d'améliorer leur contribution à un suivi de qualité des interventions de lutte contre le paludisme dans les communautés. Le deuxième outil, c'est l'outil pour assurer une contribution significative de la société civile dans la lutte contre le paludisme, note conceptuelle paludisme du Fonds mondial DC7. Donc, c'est un outil qui a été élaboré au cours du premier trimestre de l'année 2023 afin de permettre aux OSC d'avoir une meilleure compréhension du processus du Grand Cycle 7 du Fonds mondial. Donc, le but visé était de renforcer les capacités des représentants des CCM et des membres de la société civile paludiste dans la rédaction des notes conceptuelles dans le processus DC7 du Fonds mondial. Là, nous avons notre troisième outil qui est l'outil du costing des activités. Donc, cet outil a été élaboré à l'endroit des organisations de la société civile afin de leur permettre de connaître comment identifier et déterminer les coûts des activités communautaires proposées dans les notes conceptuelles pays paludisme GC7 du Fonds mondial. Donc, c'est un outil qui venait répondre à un plaidoyer lancé par les communautés et la société civile qui demandait une assistance technique pour l'évaluation des coûts des priorités communautaires. Donc, cet outil a donc été élaboré à cet effet pour répondre aux différents besoins de la société civile et des communautés. Le quatrième outil élaboré par CS4Me à l'endroit de ses membres, c'est l'outil pour le renforcement de l'impact des subventions du Fonds mondial face au paludisme à travers la prise en compte du genre et des droits humains. Donc, c'est un outil qui met l'accent sur la prise en compte du genre et des droits humains et l'inclusion des actions d'engagement communautaire à haut impact dans les demandes de financement. Le cinquième outil, c'est l'outil de la priorisation des interventions de lutte contre le paludisme éligibles pour les notes conceptuelles pays DC7 du Fonds mondial. Donc, l'objectif de cet outil, c'est de renforcer la capacité des OSC à hiérarchiser les interventions contre le paludisme éligibles pour les demandes de financement du Fonds mondial pour le paludisme. Donc, avec pour objectif une meilleure compréhension des activités de lutte contre le paludisme et son impact en Afrique. Diapo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, diapo. Oui. Le sixième outil qui a été développé par le secrétariat CS4Me, c'est le nouveau cycle de financement GC7 du Fonds mondial. Donc, ce que la société civile doit savoir pour une meilleure compréhension, une meilleure intégration dans le processus de développement des notes conceptuelles pays paludisme. Donc, comme le titre le précise très bien, c'est un outil permettant d'aider les communautés et les OSC à contribuer efficacement durant le processus des demandes de financement et plus particulièrement lors du grand meeting de la demande de financement. Et le septième outil va également dans le même sens. Donc, c'est un outil qui permet aux organisations de la société civile de contribuer de manière plus efficace durant le processus du grand meeting. Comme huitième outil, nous avons les communautés au centre des interventions du Fonds mondial avec un focus sur la nouvelle stratégie 2023-2028 du Fonds mondial. Le présent
Le guide a pour but d'édifier les OSC sur la voie des communautés vulnérables, sur la stratégie du Fonds mondial 2023-2028. Donc, l'objectif de ce guide, c'est présenter les objectifs de la nouvelle stratégie du Fonds mondial, comment en fait elle se décline, quelles sont les méthodes qui établissent les différentes priorités du Fonds mondial. Comme neuvième outil, c'est l'outil des bonnes pratiques sur l'engagement de la société civile paludiste dans les processus d'élaboration des notes conceptuelles pour le cycle de financement GC7 du Fonds mondial. Donc, c'est un guide des bonnes pratiques qui met en exergue les expériences, les bonnes pratiques comme le titre l'indique très bien, les success stories retenues concernant l'engagement communautaire lors de la participation des OSC à l'élaboration des notes conceptuelles paludisme pour le cycle de financement GC7 du Fonds mondial. Et le dernier outil, qui est l'outil sur les défis et challenges de la société civile dans les CCM, c'est, s'il vous plaît, diapo. Donc, le dernier outil, c'est un outil développé par les CCM sur les défis et les challenges. Sur cette diapo, nous pouvons voir les différents flyers, les pages de couverture. Ce sont des images qui nous permettent de voir réellement l'aperçu du travail qu'on a pu mener ensemble durant l'année 2023. Next, s'il vous plaît. Merci Merci, pour c'est tout. Donc, Merci beaucoup. il y a le Merci lien beaucoup. également de tous les différents outils qui vous sera partagé, qui sera partagé dans le groupe afin de permettre aux membres de CS Formi de pouvoir accéder à ces différents outils. Thank Merci you very beaucoup. much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soray. Nous vous rappelons, ces outils sont élaborés pour vous. Et vraiment, n'hésitez pas à aller consulter le site avec le lien que nous avons envoyé dans le chat. Nous allons encore le partager par email et aussi dans les différents groupes WhatsApp. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à écrire au secrétariat CS Formi. Nous passons directement la parole à notre collègue qui va vous présenter le nouveau mécanisme de renforcement des capacités. C'est après une séance de travail avec le groupe de travail dédié au renforcement des capacités que nous avons jugé qu'il est important que les différentes sessions de renforcement des capacités puissent être designées en fonction du niveau ou alors en fonction de comment est-ce que la société, les organisations de la société civile se déploient sur le terrain. Nous avons plusieurs types d'organisations de la société civile à base communautaire. Nous avons des OSC qui travaillent au niveau régional. Nous avons même des OSC qui travaillent dans plusieurs pays. Donc, nous avons jugé qu'il est important d'aller à un autre niveau. Et pour cela, je passe la parole à mon collègue Pascal qui va vous présenter brièvement ce nouveau mécanisme que nous allons mettre en place cette année, bien entendu, avec votre contribution. Pascal. Merci Karine de me passer la parole. Je suis Pascal Fouda du secrétariat CS Formi. Diapo. Je vais de ce pas vous entretenir sur le nouveau mécanisme de renforcement de capacité des membres CS Formi. Il y a eu quelques constats qui ont été faits durant la mise en œuvre des activités et deux constats ont été illustrés qui ont interpellé une réflexion au sein du secrétariat. Au cours des webinaires de renforcement des capacités, les interventions des participants ont souvent montré de grandes différences dans la prévention des notions abordées. Certes que certaines de ces notions étaient parfois très techniques. Et un autre constat est celui de la participation effective à toutes les activités de renforcement de capacité.
de manière régulière qui a été mitigée dans le sens où seule une poignée de membres a participé régulièrement à ces différentes activités. Et cela a fait réfléchir le secrétaire dans le sens où peut-être cela proviendrait d'un désintérêt par rapport au point abordé où certains membres ne se sentaient pas vraiment concernés par ce qui était abordé. Et cela réduisait le nombre de participants. Également, il faut préciser que le plan stratégique CSOMI prévoit de classer les membres suivant leur capacité organisationnelle afin de les faire évoluer et accéder à de meilleures opportunités. Par conséquent, le secrétariat a entrepris de mettre cela en pratique dès cette année 2024 en réalisant une évaluation de ses capacités organisationnelles chez les membres. Japon. Cette évaluation sera conduite à l'aide d'un outil qui a été élaboré par le secrétariat Impact Santé Afrique et qui s'attelle à évaluer les capacités dans les domaines clés suivants, la gouvernance. La gouvernance dans le sens où, par exemple, est-ce que l'organisation a un bureau exécutif fonctionnel qui a été élu dans les normes et qui fonctionne comme il se doit, comme c'est prévu par les textes. Est-ce que l'organisation est enregistrée formellement? Est-ce que, donc, par exemple, ce genre d'informations qu'on va rechercher. Deuxième point clé, le management stratégique, notamment la possession d'un plan stratégique et autres éléments qui pourraient être pris en compte pour cela. Ensuite, il y a le management des ressources humaines et financières. Est-ce que l'organisation a un chronogramme, un organigramme clair du personnel? Est-ce que il existe un manuel de procédure? Est-ce que l'organisation a un compte bancaire? Est-ce que, bon, des points comme cela. Ensuite, l'administration et la planification. Est-ce que l'organisation possède un bureau physique qui est connu dans sa zone d'intervention? Est-ce qu'elle a des staffs permanents et dans les bureaux? Est-ce que elle possède du matériel pour le travail, tel qu'un ordinateur, une connexion Internet, etc. Ensuite, il y aura la gestion et le suivi des projets par l'organisation. Et enfin, bon, oui, je pense que c'est le dernier point, la gestion et le suivi des projets par l'organisation. Bon, oui, les prochaines étapes dans la mise en place de ce nouveau mécanisme seront de réaliser, bien sûr, l'évaluation avec tous les membres. Ici, il est indispensable que tous les membres participent à cette évaluation parce que par la suite, les membres avec qui nous avons réalisé l'évaluation, nous allons continuer à travailler. Qui auront accès aux opportunités du CSOM. Suivant les résultats des analyses de l'évaluation, les membres seront donc classés au sein de trois paliers en fonction des performances obtenues au terme de l'évaluation. Et à la fin, les formations, renforcement de capacité et autres opportunités seront désormais organisées par niveau et concerneront les membres du niveau concerné uniquement. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Vous l'avez compris, cette année, nous allons passer à une autre étape, à un autre niveau en termes de renforcement des capacités. Et nous le rappelons, c'est une des principales recommandations du groupe de travail dédié au renforcement des capacités de la plateforme CSOMI. Alors, avant de recueillir vos avis sur un ou deux sujets, je vais passer rapidement la parole à mon collègue Fidèle pour des informations complémentaires à ce sujet. Merci. Merci, Karine. Je vais juste, à la suite de Pascal et Karine, apporter une précision supplémentaire et également à la suite des chairs aussi bien du Capacity Building Working Group,
du Technical Working Group, du System Working Group et du Advocacy and Communication Working Group, c'est qu'il est important de pouvoir participer à cet aspect-là, à cet aspect d'évaluation, d'auto-évaluation. Au sein du secrétariat CSOMI, nous estimons et nous aspirons à ce que les OSC qui puissent intégrer la plateforme CSOMI, le réseau CSOMI, puissent évoluer au bout d'un certain temps. C'est pour cette raison qu'on a, à l'issue des échanges aussi bien avec les différents working groups qu'on a possédé, tous ceux qui m'ont précédé, avec les échanges avec le steering committee de CSOMI, et même avec la plupart d'entre vous, lors d'une évaluation qui avait été faite en 2022, nous sommes rendus compte qu'il est important de pouvoir classifier les membres par catégorie. Ainsi, nous pourrons aisément paramétrer ou bien formaliser les sessions de renforcement des capacités en fonction de chaque catégorie, de sorte que une personne qui se trouve peut-être en catégorie 2 ne suive pas les formations de catégorie 3 et vice-versa. De cette manière, nous espérons qu'au bout de chaque année, on puisse à nouveau faire cette mesure qu'on observe effectivement une évolution dans les capacités aussi bien en termes de renforcement de compétences dans la lutte contre le paludisme. Et ce sont ces différentes capacités acquises qui permettront à tous les membres de pouvoir saisir les opportunités. On l'a dit plus haut, quand on présentait le plan d'action CSOMI pour 2024, c'est qu'on aimerait vraiment permettre aux membres qu'elles-mêmes puissent saisir les opportunités qui leur sont présentées afin de pouvoir mieux mettre en œuvre leurs projets dans leurs communautés respectives. Tout à l'heure, plusieurs de nos membres ont évoqué la nécessité que le CSOMI apporte un appui financier. Nous dirons au sein du secrétariat CSOMI, avec sous le contrôle du Steering Committee, que ici nous aimerons plutôt vous permettre à vous membres de pouvoir saisir ces opportunités-là de vous-même. Nous vous montrons, ou bien nous vous présentons les opportunités d'assistance technique ou tout autre type d'opportunité mises à disposition de la société civile par des donateurs. Et vous, après avoir suivi les formations délivrées par CSOMI, après vous être auto-évalué et pouvoir renforcer vos capacités dans certains domaines, vous-même, vous allez vers ces opportunités-là. Car CSOMI ne dispose pas toujours des fonds nécessaires pour apporter un appui à tout le monde. Le peu de fonds à notre disposition, nous espérons pouvoir vous aider à aller à acquérir ce renforcement et pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter à la suite de mes collègues et ainsi que de tous les chairs qui ont pris la parole ce jour. Merci. Merci Fidèle. Juste pour aller rapidement, il y a une question sur le classement des membres en palier. J'aimerais savoir le classement des membres en palier. Si tu peux juste apporter une réponse rapidement, s'il te plaît. OK. D'accord. Par rapport à ce classement, on va vous apporter plus d'informations d'ici peu. Dans le cadre de, comme je l'ai dit plus haut, dans le cadre du work plan CSOMI pour 2024, donc il y aura une session, un webinaire où on va vraiment échanger sur cela. Premièrement, vous présenter l'outil d'auto-évaluation. Comme mon collègue Pascal l'a bien dit, c'est un outil assez simple où chacun d'entre vous peut s'auto-évaluer de manière sereine et pouvoir définir dans quelle catégorie elle se retrouve. Puis vous aurez plus de détails dans l'outil et vous verrez les différents niveaux qui ont été mis sur pied pour pouvoir mesurer, bien pouvoir évaluer le niveau de capacité d'une organisation. Merci. Merci beaucoup, Fidèle. Le temps est déjà contre nous. Je peux donner la parole à deux de nos collègues. Nous n'avons pas encore entendu beaucoup de femmes depuis ce matin. Nous avons Madame Léa et puis Madame Marie-Laure. Madame Léa, c'est Léa Asmakai. Vous pouvez ouvrir votre micro. Marie-Laure a baissé la main. Je pense que sa préoccupation, on a probablement répondu à sa préoccupation.
OK. Léa n'étant pas peut-être des soucis d'Internet, nous allons aller. Marie-Laure. Ah, OK. Marie-Laure, nous vous écoutons. OK. Bonjour tout le monde. Marie-Laure du Gabon est là. Bon, j'ai bien suivi toutes tes interventions depuis le début. Je ne vais pas être trop long à cause du temps. Je suis toujours dans le plaidoyer. Je me dis, si nous restons dans la vision de CS Formi, comme ne cesse de nous le rappeler ce matin, que les OSCE de lutte contre le paludisme en Afrique, pour ne parler que de l'Afrique francophone, doivent parler d'une seule voix. Je me dis, pour parler d'une seule voix, il faudrait qu'on ait peut-être les mêmes opportunités, les mêmes chances, afin qu'ensemble, nous puissions conjuguer vers cet objectif-là. Qu'est-ce que j'entends par les mêmes chances, les mêmes opportunités? Lorsque nous sommes là nombreux, beaucoup de pays, si on donne certaines chances, je crois que quelqu'un l'a parlé, je crois que c'est le dernier intervenant là, du secrétariat, à certains pays qui sont déjà plus forts. Nous faisons beaucoup d'actions au niveau de CS Formi. CS Formi fait beaucoup de choses, beaucoup de renforcement de plaidoyer, de renforcement de capacité de plaidoyer et autres. Est-ce que nous sommes sûrs que tous les pays sont vraiment sur le même chemin? Je pose encore la question d'une autre manière. Est-ce qu'il est possible d'évaluer justement ces différentes actions que CS Formi est en train de mener en termes de renforcement des capacités? Sommes-nous sûrs, pour ne prendre que le cas du Gabon, que le Gabon suit vraiment ses formations à la lettre? Est-ce que le Gabon est au même niveau que le Cameroun? Est-ce que le Burkina est au même niveau que le Gabon? Je pense que cet aspect-là nous manque quelque part parce que je me dis, et j'en veux pour preuve, tous les outils qu'on a listés là, si on fait l'évaluation, je ne sais pas si un Gabonais viendra. Bon, moi, par exemple, je participe au renforcement des capacités. Je dois peut-être faire la restitution. Mais est-ce que vraiment le Gabon est au courant de tous ces outils? Je ne sais pas. Est-ce que le Burkina est au courant de tous ces outils? Je ne sais pas. Quelqu'un l'a évoqué plus haut. On note une faible participation à ce que nous faisons. Je crois qu'il y a là un problème. Nous devons évaluer qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, pour que les gens participent. L'année dernière, on avait fait des propositions. Je crois qu'il y a des partenaires qui nous suivent. Est-ce qu'on ne peut pas nous appuyer parce que tout le monde n'a pas la capacité de suivre des webinaires et autres, ou alors on n'a même pas assez de moyens pour participer à un webinaire qui va durer 2 heures de temps? Pourquoi est-ce qu'il est possible de penser au renforcement de capacités de manière traditionnelle, c'est-à-dire en présentiel pour ces organisations-là? Je suis en train de citer les différents. Maintenant, pour terminer, la dernière présentation qu'on vient d'avoir là sur le nouveau mécanisme du renforcement des capacités, toujours. Bon, j'ai vu parce qu'on a les faiblesses qu'on a identifiées, que le secrétaire a identifiées, qui sont bonnes. Mais lorsque je vois les recommandations qui suivent ces faiblesses-là, je me pose la question de savoir quelle est la relation entre le renforcement des capacités, des compétences des membres de CS Formi et le renforcement et les capacités organisationnelles et du fonctionnement d'une organisation. Je ne vois pas vraiment le lien parce qu'on est parti des défis qui sont tels que beaucoup d'organisations ne participent pas au webinaire de renforcement de capacité. Après, pour évaluer, il faut voir si on est à la gouvernance, si on a le bureau, management. Je n'arrive pas à comprendre la relation qui a été établie. Merci beaucoup pour ne pas trop. J'ai pour parler, merci. Ce sont des suggestions, des questions, et puis voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour ton intervention, très, très pertinente. Je vais répondre à peut-être différentes questions, en commençant par la dernière. Le lien entre les constats faits et la nécessité de s'auto-évaluer pour se rassurer d'un renforcement ou d'un développement organisationnel. En 2022, CS Formi a fait une évaluation de ses actions auprès des membres de CS Formi et également à travers les 4 working groups qui sont déjà opérationnels. Il y a eu énormément de discussions. On l'a dit plus haut dans le cadre lorsque les différents tiers ont pris la parole. Et nous nous sommes rendus compte d'une chose,
La première chose, c'était en termes d'opportunités à saisir par les membres du CSOMI. Tu l'as fait bien dire tout à l'heure, c'est que vous, il est, vous, les membres demandent au secrétaire CSOMI de pouvoir leur apporter un appui financier pour la mise en œuvre de leurs activités ou même, comme tu l'as si bien dit, le renforcement des capacités en présentiel. Premièrement, il est très difficile pour le secrétaire CSOMI et pour CSOMI dans son ensemble de pouvoir mener ce type d'appui, de devoir conduire, apporter ce type d'appui parce que nous ne disposons pas de fonds nécessaires pour mener ce type d'activité. On ne peut pas rapporter un appui à tous les pays. Nous avons aujourd'hui près de 48 pays membres de CSOMI. Si au bout de l'évaluation, on se rend compte peut-être que sur les 48 pays, 20 pays ont des difficultés ou bien on observe un manque d'engagement des membres CSOMI dans les webinaires de renforcement des capacités ou bien toute autre action menée par CSOMI et qu'on décide d'apporter un appui financier pour que les organisations de ces pays-là puissent être mieux renforcées, on ne pourra pas s'en sortir, car nous ne disposons pas du tout des ressources nécessaires, surtout sur le plan financier, et même humain, pour faire cela. C'est pour cette raison que, après avoir échangé à plusieurs niveaux, aussi bien avec les membres, aussi bien avec le steering committee, le comité directeur de CSOMI, et aussi même des partenaires proches de CSOMI, nous sommes dit qu'il est important de pouvoir permettre aux membres de CSOMI de eux-mêmes rechercher des opportunités qui les permettent de manière peut-être un peu plus pérenne, bien même de manière périodique, de bénéficier des fonds qui les permettraient de mettre en œuvre cette activité, que ce soit le renforcement des capacités, que ce soit les activités de sensibilisation, de communication, ou toute activité communautaire avec une population vulnérable. C'est pour cette raison que nous sommes au sein du secrétariat mettre à disposition des OSC l'outil d'auto-évaluation. Tout à l'heure, mon collègue s'est attardé sur l'aspect organisationnel. Et j'ai complété, car rien ne m'a complété par la suite avec l'aspect renforcement des capacités. Il y a un lien entre les deux. Le renforcement des capacités, quand nous avons présenté les actifs, mais les résultats de 2023, nous avons présenté l'aspect renforcement des capacités en gestion de projets et en mobilisation de ressources pour les OSC. Cela prend en compte ces deux grands aspects, le développement organisationnel, le renforcement des capacités en termes de des membres d'une organisation. Il est important que l'organisation puisse avoir des membres suffisamment outillés pouvoir discuter entre elles de comment mieux renforcer les capacités de leur organisation. C'est pour cette raison qu'on a fait le lien entre le développement organisationnel et le renforcement des connaissances et des compétences des membres d'une organisation. Nous estimons que si c'est qu'une organisation est mieux outillée en termes de connaissances, est mieux bâtie en termes de développement organisationnel, elle sera plus à même de pouvoir saisir les opportunités qui sont présentées en termes de financement pour les projets qui peuvent être mis en œuvre dans les pays où sévit le paludisme, où on rencontre les communautés vulnérables au paludisme. Et nous espérons qu'au cours de l'année 2024, on puisse vraiment mettre un accent fort, et nous allons mettre un accent fort sur cet aspect-là, afin qu'on puisse évoluer dans ce sens-là. À différentes questions, à mon intervention. Et n'hésitez pas à faire de questions. Écrivez au secrétaire CSOMI. Nous allons répondre à toutes vos questions. Merci. Karine. Merci Fidel. Merci beaucoup Fidel. Nous espérons avoir répondu aux questions. Juste une dernière intervention avant de passer à la suite des fins. Madame Léa. OK, toujours pas. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Ayo Ipinmo, qui est le membre du Steering Committee très actif aussi du Nigeria, nous allons juste recueillir vos avis
par rapport à ce que vous voulez, quels sont les thèmes que vous aimez voir, que nous puissions discuter ensemble cette année et aussi dire en un mot ce que vous pensez de CS Formid. Donc, pour cela, nous vous prions juste de consulter le chat Sorel ou Kevin. Nous vous prions d'envoyer le lien. Nous vous prions juste de consulter le chat. Nous sommes en train de vous envoyer le lien. Est-ce que c'est bon? OK, ma collègue a envoyé le lien. Vous cliquez juste sur ce lien qui va vous donner l'accès pour répondre à deux questions. La première question est celle de savoir quels sont les problèmes ou alors quelles sont les questions que vous aimeriez que nous puissions aborder pour cette année 2024. La période aussi est très importante. Nous avons noté plusieurs problèmes en fonction des différentes sollicitations et en fonction de vos différentes interventions suite aux différentes formations, aux différents webinaires que nous avons eu à organiser l'année dernière. Donc, nous avons ce recueil de cette possibilité de réponse. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien et puis vous pourrez donner votre réponse. Nous avons déjà quelques réponses qui viennent à l'écran. Merci. N'oublions pas, vous pouvez aller dérouler jusqu'en bas parce qu'il y a 8, 9, 9, 9 possibilités de réponse. Voilà, vous-même, vous voyez l'écran, les différents mouvements. S'il vous plaît, ces réponses sont vraiment très importantes pour nous. C'est très important pour nous de connaître vos priorités. Qu'est-ce que vous aimeriez que nous puissions adresser cette année 2024 en termes de priorités, que ce soit dans les sessions de renforcement des capacités que nous organisons ou même en termes de plaidoyer, ou même ça peut être un sujet sur lequel vous aimeriez que nous puissions mener un plaidoyer effectif. Vraiment, c'est le moment pour nous d'avoir vos feedbacks. Nous allons encore laisser quelques minutes parce que nous sommes à plus de 60 participants et nous n'avons pas encore la moitié des réponses. Voilà, nous pensons que les gens sont en train de se connecter au fur et à mesure. Merci, merci, merci pour vos réponses. Il suffit juste de cliquer sur le lien et puis c'est une question en choix multiple et vous pouvez aussi donner votre réponse. Merci. Merci beaucoup, merci. Comment la société civile peut-elle être plus efficace? Nous aurons aussi besoin de vous pour répondre à cette question. Oui, le changement climatique, nous voyons vraiment comment dans tous nos pays, il y a vraiment beaucoup de déréglages en termes de montée de chaleur, en termes d'inondations. Et ce qui ça implique en termes de changements aussi au niveau de la démographie. Nous voyons l'impact, pas seulement dans la lutte contre le paludisme, mais plusieurs autres maladies qui sont en train de faire une sorte de comeback, malheureusement. Encore 2 minutes et puis nous allons passer à la prochaine question. Merci, merci beaucoup. Améliorer le cycle de subvention. Le paludisme dans les zones de conflit, oui. Les ruptures de stock, oui, c'est un problème dans beaucoup de pays. Une minute, dans 1 minute, nous allons passer à la question suivante. Nous vous prions de cliquer sur le lien.
C'est très simple, cliquez juste sur le lien. Au cas où vous aurez besoin d'un code, parce qu'il y a pour certains, on peut demander un code. Le code est affiché à l'écran. 4 9 1 4 4 9 2 3. Voilà, nous passons à la question suivante. Nous aimerons, voilà, beaucoup de personnes ont même déjà répondu. Merci. Connaître en un mot ce que vous pensez de CS4Me. En un mot, ce que vous pensez de CS4Me. Très bonne organisation, jeunesse et paludisme. Bon, nous avons l'impression que certaines personnes ont confondu les questions parce que nous voyons CS4Me doit évaluer formidable, plus proche encore. Plus crédible, efficacité, effort, résilience. Je pense que nous avons déjà eu beaucoup de réponses. Voilà. Vous avez à l'écran, ce sont vos avis, c'est vous-même qui avez choisi toutes ces différentes réponses et nous allons pouvoir travailler en fonction de vos réponses. Nous vous remercions vraiment pour votre participation. Yes, please write also in English. C'est formidable. Merci. OK, avec la permission de Fidèle, nous allons nous en tenir là. Nous nous excusons si nous n'avons pas pu recueillir les avis de tout le monde. N'oubliez pas, le secrétariat est là. Les groupes WhatsApp aussi sont là. Vous avez accès à nos numéros grâce aux différents groupes WhatsApp où vous pouvez continuer nous pouvons continuer ces échanges. Pour ceux qui sont déjà impliqués dans les différents groupes de travail, n'hésitez pas, c'est très, très important, vraiment, n'hésitez pas à continuer à vous impliquer davantage. Merci encore. Je passe juste la parole à Monsieur Ayo pour le mot de clôture parce que nous devons nous séparer. Nous devons clôturer la réunion. Mr. Ayo, you have the floor, please. And then we will close. Thank you very much again for all your participation. Thank you. Mr. Ayo, come again, please. Thank you very much. Can you hear me? Yes, very well. Okay, thank you to all of you colleagues from all over the world, places where CSOM is represented for participating in this very important meeting. I want to thank on your behalf the steering committee, our coordinator Olivia, and the secretariat for all the good work they have done. I am always happy to see the good work that CS4Me is doing because before the advent of CS4Me, we did not have an international global network like this representing malaria civil society organizations at the very highest level decision-making bodies. But with the work that CS4Me is doing and the great strides in 2023, I think that we have reason to be grateful. And I know that based on the successes of 2023, 2024 will be better. The capacity enhancement that is coming through to our national programs through CS4Me is also commendable. And I will just share three things which has been spoken to today. But one, please let us collaborate. When we do not work together, we are weak. But when CSOs in country find ways of working as networks, coalitions, consortiums, our collective efforts really ensure that we have a seat on the table. We must emphasize that collaboration this year, 2024. And let us engage. We engage with government at all levels, the national level, the sub-national levels, district, local government,
Then we should engage with the partners, the UN system, WHO, the PMI. When we are collaborating, it's easy for us to be able to engage. And then let's engage with CS4Me, participate in all the activities. And when we make all our presentations, please let's be driven by data and evidence. Partners and all of these donor bodies and technical agencies do not respond much to our anecdotal sayings, but they respond to data. Many times we are doing much, much work than we are reporting. So let us remember to also get the data on the work we are doing, and then based on the data and scientific evidence, make our presentations. Once again, thank you so much. We spent a lot of time today, and I want to say thank you very much to everybody, and bye-bye. Thank you very much, Mr. Ayo. Thank you to everybody. Merci encore à tout le monde pour votre participation.